suis le père Edgar Vigan. Je suis béninois. Je suis né à Kokoro, Bénin. Et je suis en mission dans le diocèse de Parakou, au Bénin. Et donc, j'ai 20 ans de sacerdoce. Et je fais un séjour aussi en métropole, en France, 6 ans d'études à Angers, à l'ouest de la France, où je suis reparti au Bénin il y a 9 ans. J'ai été curé de la cathédrale du pays de l'archidiocèse de Parakou. Et depuis 3 ans, je suis directeur diocésain de l'enseignement catholique à Parakou. Ce qui m'amène, c'est que je suis ami d'un prêtre qui est ici, le frère Crépin Gonza, qui est ami de Père Gilles. Nous sommes de la même promotion. Et Gilles et moi aussi, on a fait un bout de chemin ensemble parce que j'ai 2 ans de sacerdoce juste pour que les deux. Donc, alors, on a gardé les contacts. Et donc, je me suis dit, donc, j'ai fait la métropole. Mais donc, ce serait bien quand même que je descende un peu dans d'autres régions. Et surtout que, selon l'histoire dans notre pays, nous avons un roi qui a été déporté en Martinique, le roi Béhanzin. Et donc, et qui finalement a été exécuté, abrité en Algérie. Donc, j'ai dit que, au moins, j'irai sur les pas de ce roi-là pour connaître au moins cette ville ou ce département où il a été déporté depuis le Dahomey jusqu'en Martinique. Donc, c'est un peu pour aussi faire un pèlerinage historique que j'ai voulu quand même venir en Martinique. Pour les parents, sa vanité, j'entends juste de la fraternité et autres pour que le séjour ne soit pas vraiment un peu solitaire parce que le père Gilles va partir. Et donc, je serai avec le père Christophe au presbytère. Mais le père Christophe étant martiniquais et habitué à ces gens, donc c'est pas sûr qu'il puisse vraiment rester avec moi. Donc, alors, j'aurais besoin quand même que de temps en temps, je puisse rencontrer d'autres martiniquais pour échanger et connaître un peu plus justement la Martinique. Mais c'est super, mais bienvenue parmi merci, nous. Merci. Bon séjour. Merci bien. À bientôt. Merci.